Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo un petit peu différente parce que j'ai décidé de vous montrer deux trois petites choses. Petit aperçu de mon matériel. Également une petite boîte que j'ai reçue avec plein de nouvelles peintures qui me manquaient parce que j'étais en cours de un peu en rupture de toutes les couleurs que j'aimais bien. Je vais vous montrer également un petit tableau un peu particulier que je vous montrerai un peu plus après. Et je voulais aussi vous parler de ce tableau qui est très sympa, qui mesure 1,20 m par 40 cm. Mais je voulais juste vous dire que j'étais surpris parce que c'est la dernière vidéo que j'ai fait et je vous ai pas vu. Je sais pas pourquoi, vous étiez tous partis en week-end, mais apparemment vous avez pas regardé cette belle vidéo. Donc je vous invite à venir la regarder une nouvelle fois pour ceux qui l'ont pas vue parce que il y a vraiment pas eu beaucoup de vues, à croire que vous l'avez pas vu sur YouTube, je sais pas. Donc voilà, cette vidéo, ce tableau est en vidéo et j'aimerais bien que vous allez la voir parce que c'est une longue vidéo qui est quand même pleine de couleurs, d'effets, de techniques. Voilà, je trouvais dommage de pas l'avoir vue. Bon, on continue. Je vais également vous montrer des petites choses que j'ai faites aussi. Bon, vous avez peut-être déjà vu la pendule dans une vidéo, mais c'était plus des petits tableaux pour le plaisir. Et j'ai trouvé ça bien sympa en fait, c'est marrant. Travailler avec des tout petits outils. Donc voilà, je me suis amusé à en faire quelques-unes. Donc ils sont tout petits, hein, ça va de, je sais pas combien ils font, 5-5 les plus petits comme ça. Jusqu'à ceux-là qui font, je sais pas, 6 ou 7 cm. Voilà, ça fait des mini tableaux, c'est marrant. Ah, il y en a un autre là-bas, on l'a pas vu. Dans les bras du petit pantin. Donc je reviens sur mon petit colis que j'ai reçu. J'avais commandé un petit sculpteur. Des fois, on me demande ce que j'achète. Alors là, j'ai pris une édition léopard. Et celle-là, elle est orange fluorescent. Alors je peux vous dire que là, les tableaux vont péter en couleur. Un peu de vermillon, du jaune cadmium moyen, du rouge carmin, du bleu verdâtre, du, comment ils appellent ça, bleu céleste clair, du vert jaunâtre, du turquoise, du orange, du outre-mer, du bleu violet, non, du violet rouge permanent, pardon, et du rose très, très rose, voilà. Des belles couleurs bien flash qui vont nous faire des beaux tableaux. Bon, on continue. Je voulais également vous montrer ce tableau. Alors ça, je viendrai faire une vidéo un de ces quatre quand j'aurai un peu plus de temps. C'est une autre technique que j'ai essayé et que bah, qui est sympa, qui donne pas mal d'idées. Même moi, j'ai envie d'en refaire. Bon, après, c'est un peu plus long. Faut anticiper un peu plus ce qu'on veut faire parce que, enfin bon, c'est du transfert d'image. Donc là, il y a une image. Là, il y en a une autre, et il y avait une petite partition de musique ici. Donc, ce n'est pas du collage, c'est du transfert. J'ai retourné le papier, je l'ai collé. Après, je l'ai gratté en l'humidifiant une fois qu'il était sec, comme ça. Et bah, c'est quand même assez difficile, ça ne marche pas toujours. Des fois, on enlève un peu le dessin. Mais voilà, ça mérite d'être expérimenté un peu plus. C'est pour ça que quand j'aurai un peu mieux vu, je vous ferai une vidéo parce que c'est quand même pas mal. Après, c'est sûr que j'ai retravaillé après en peinture. J'ai beaucoup travaillé avec des encres. J'ai travaillé aussi avec des médiums, de l'alcool, un peu tout pour faire des effets un petit peu. En fait, là, c'est pas des gouttes de blanc. C'est le bleu qui est pas venu sur la toile en fait, là. Ça fait l'effet inverse en fait parce que j'avais mis des petites gouttes d'alcool. Après j'ai mis du bleu, le bleu n'est pas venu sur l'alcool et ça, enfin bon bref, ça a fait ça, c'est plein d'effets. C'est pas mal en fait et au rendu, bah voilà qu'on a un tableau sur le thème de la musique. On voit le papier par endroit qui est resté un peu collé, mais j'ai pas non plus cherché à tout enlever parce que je trouve que ça met aussi du relief. Ça fait un peu un tableau ancien, un peu on dirait. Donc voilà, c'est. Je tenais à vous le montrer parce que j'ai pas fait de vidéo sur celui-là, c'était plus en mode expérimentation de cette technique, mais voilà. Bon, on va passer aux choses sérieuses. On va
Bah en fait, je vais peut-être pas tout tester tout de suite parce que je vais vous faire une petite toile. Donc il y a beaucoup de couleurs quand même. Donc je vais en choisir 2-3 et on va faire un petit tableau. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Donc voilà le matériel. Un couteau, un petit spalter, du bleu verdâtre, du bleu céleste et du rouge violet. Un peu de blanc et après ben, on verra. Peut-être que je rajouterai des couleurs. On va essayer de faire très simple. On va mettre un petit peu de. J'arrive pas à. C'est bleu verdâtre. Pourquoi on dit verdâtre? Parce qu'il n'est pas vraiment vert. Ouais, bon. Alors, j'aime bien ces deux couleurs. On va les utiliser sur le fond plutôt. Et puis. Et puis faire quelque chose comme ça, je sais pas. Allez, on y va un peu comme on a envie. Donc il y a une couleur un peu vinasse, un peu bordeaux, un peu lit de vin, un peu rose, mais ouais. Bon. Mais j'aime bien. Il est semi-transparent, mais non, il est complètement transparent. Petite précision aussi, je sais pas si vous connaissez ce que veut dire ces petits symboles. Il y a le reflet. Alors, ça c'est trans c'est, ça veut dire qu'il est transparent celui-ci. Celui-ci est semi-transparent et celui-ci est opaque. Vous voyez, il couvre complètement. Celui-ci à moitié et celui-là pas du tout. Enfin, pas du tout. Il n'est pas opaque. Voilà. Une petite précision pour ceux qui n'avaient jamais regardé ce petit symbole ou qui ne savaient pas ce que c'était. Ça peut des fois servir, bah si ça sert quand même beaucoup hein, pour les mélanges, tout ça, c'est une couleur transparente et une couleur opaque, ça. Une couleur opaque prendra le dessus, le transparent sera couvert, quoi, c'est logique. Après, voilà, suivant ce qu'on veut. Donc là je fais un peu un dégradé avec ce bleu et ce rose. On va pas trop en mettre parce que là je vais plus avoir de rose à force. Donc là. Avec le spalter, j'estompe quand même beaucoup dans les deux sens. C'est-à-dire je croise beaucoup. Après votre spalter, s'il est neuf, ou plutôt récent, bien entretenu, et ben vous aurez des meilleurs rendus, on verra encore moins les traces. Là, je vais quand même changer peut-être de spalter, sinon je vais avoir du mal à voir ce bleu clair. Si mon pinceau est déjà rempli de. Donc voilà, là j'estompe dans les deux sens. Pour laisser un peu de lumière, c'est sympa. Et. Je fais quand même quelque chose de un fond foncé autour parce que j'ai ma petite idée par rapport au tableau précédent que j'ai fait avec ce cadre un petit peu à la fin en blanc qui est pas mal. On va essayer quand même de rester sur ces bleus, sur ce rose et rouge violet. J'aime bien le mélange de ces deux couleurs. Bon, après c'est un peu dans les mêmes teintes, hein. C'est juste plus clair, plus foncé en gros. Sympa. Mince, j'ai pas pris le couteau que je voulais prendre. Je préfère celui-là et un peu plus grand. Hop. Allez, on va essayer de faire quelque chose de sympa. On va faire des petits mouvements un peu arrondis comme ça, en appuyant de moins en moins, puis que ça fasse un peu un dégradé comme ça. Alors, je vais pas trop mettre le rose sur le rose. Semble logique. Faut réfléchir un petit peu à un mouvement qu'on pourrait trouver joli. Si vous faites tout dans le même sens, bon bah ça risque d'être tout dans le même sens. Ça fera un peu moins explosion, peut-être un peu moins sympa. Bon après, les goûts et les couleurs, encore une fois.
Donc bon, la toile est petite, le couteau est assez gros par rapport à la toile, à peu près la taille de la toile, c'est une 30-30. Donc c'est plutôt vite recouvert, donc vaut mieux faire des... réfléchir quand même avant de mettre son... les couleurs. Donc je prends un peu de bleu céleste. C'est bon, une fois que j'aurai fait quelque chose qui me plaît pas, il n'y a plus qu'à remettre un coup de spalter, quoi. Là, le but, c'est de vous la faire propre du premier coup, dans l'idée. Pour ceux qui veulent essayer de la refaire. Quand même quelque chose d'assez simple. Donc là, je mélange un peu les couleurs, histoire qu'elles soient déjà un petit peu mélangées sur mon couteau. Bon, c'est pas super mélangé, mais ça suffira à faire des petits effets. Donc là, le bleu, par contre, je vais pas l'emmener sur le bleu, mais plutôt sur le rose. Quoi qu'il y a du clair, donc le clair, le céleste sur le bleu verdâtre, il se verrait bien. Allez, c'est un truc comme ça. Donc là, j'ai un peu trop appuyé et j'avais plus de peinture, donc j'ai enlevé un peu du dessous. C'est pas spécialement ce que je voulais. Alors on peut remettre un petit coup par-dessus. Après, on peut faire des effets avec un peigne, on pourrait trouver d'autres idées aussi, c'est une idée comme ça. Donc là on le voit beaucoup moins, donc là je pense que si on veut garder un peu de ce bleu là, il faut prendre un peu du blanc avec. Pour qu'il ressorte quand même. Il manquerait un peu de blanc, je dirais. Peut-être à la jonction. Je vais essayer d'harmoniser un petit peu et de... comment dire, trouver une harmonie. Moi j'ai toujours tendance à vouloir rajouter des couleurs, donc là c'est pour ça que je réfléchis un peu. Si je veux garder les mêmes couleurs, il faut qu'elles soient bien associées au bon endroit, je dirais. C'est la danse du couteau, hein, vous savez, je réfléchis. En fait, quand je fais ça, j'imagine le truc et puis je regarde le dessin d'ensemble, si ça peut être sympa, si ça m'inspire à continuer. Si je fais ça, bon, là, j'ai l'impression que je vais être un peu trop tac, 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 toujours pareil, je veux pas ça. Mais bon, j'arrive vers le bord, donc je vais pas non plus repartir dans un autre sens, sinon il va être hors champ et c'est pas ce que je veux quand même plutôt quelque chose de centré, vu que je veux faire un cadre autour. Donc bon. Arrêtez de parler 2 secondes pour pouvoir réfléchir. Je m'excuse. On va peut-être revenir plutôt comme ça avec le rouge. On va utiliser ce plan par ici avec le rouge. On va finir de toute façon ce qui reste un peu. Pas mal de mélanger tout à la fin aussi avec ce qui reste. Hein. Ça permet d'avoir les 3 couleurs dans le coup de couteau. Pas trop en faire sinon ça va sentir que c'est tous les mêmes coups de couteau. Là je mettrais bien du bleu foncé là et pour après. C'est là je suis un petit peu coincé. Je crois que je vais faire juste un truc comme ça. Mais non, je suis pas trop fan. On va être bien clair, ça va peut-être trancher. Voilà, c'est pas mal. On va mettre une goutte de bleu foncé là. Et là. Quelques petits mouvements qu'on va rajouter après, vous allez voir. Blanc comme on avait dit pour qu'on le voie un peu mieux. Raté. Du coup, on va mettre du rose par-dessus.
tranquillement. Je dirais qu'il manquerait un peu de... De foncé encore. Enfin, de rouge, violet. Oula. J'en ai trop mis. On va pas tarder de faire des petits trucs qui vont vous plaire. Toujours avec l'outil que vous me demandez aussi ce que c'est. J'ai déjà fait des vidéos. C'est des petits bouts. Comment dire, voilà, ils sont comme ça. C'est des fonds de tiroirs, en fait, de tiroirs de cuisine, des casseroliers. J'ai des petits bouts dedans et sur la tranche, en fait, ça fait... Bon, on voit pas bien parce qu'il y a de la peinture, là. Mais vous allez voir ce que ça peut faire. Regardez ce mouvement, là. Des traits comme ça, ou alors suivant comment c'est coupé, un peu plus fin. Je parle beaucoup, mais je sais qu'il y en a qui aiment bien. Sinon, vous pouvez enlever le son. Bon, allez, un petit rond par ici, on peut faire des petits ronds sympas comme ça, des demi-ronds, ça suffira par rapport à la taille du tableau, je pense. Donc après, on peut rester comme ça, on peut. Non. Donc après, on peut faire d'autres petits trucs qui partent un petit peu comme ça par exemple. Des petits mouvements. Ensuite, prendre un petit peu de blanc dans un coin, un petit peu d'eau, petite, on mélange un petit peu avec de l'eau, on fait la tambouille, on mélange bien, on essaie de rendre une partie homogène pour qu'elle soit plus fluide. Une fois qu'elle est plus fluide, qu'est-ce qu'on peut faire ? Balancer des gouttes de peinture. Bon, par contre, je vais pas les balancer tout de suite parce que je veux faire un cadre avant. On va juste faire quelques petits traits. Donner un petit peu de mouvement à ce tableau. Faire des traits droits, on peut faire des traits arrondis. Faites ce que vous voulez, tant que ça vous plaît. C'est tout ce qui compte. Allez, ça va peut-être suffire. Après, on peut prendre un sharper, je ne sais plus. Faire des petits... la peinture qu'il y avait, faire des petits tics, petits traits comme ça, en arrondi ou pas, ou droit, ou de plus en plus petit. On peut faire des petits traits comme ça aussi, qui donnent aussi du mouvement également. On peut enlever des carrés. Je peux trop enlever les carrés, sinon il n'y aura plus de matière. Sens. On peut tremper le bout du sharper dans du blanc et faire des petits traits qui montent ou qui descendent. C'est mieux d'attendre que ce soit bien sec. Bon, moi, on va dire que je suis un professionnel, donc même pas sec, je mets le scotch dessus. Pas de problème. Hop là.
J'espère que quand je vais enlever le scotch, la peinture dessous ne sera pas trop écrasée. Bon, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a des petits endroits où il y a de la peinture. Du coup, j'appuie pas trop. Alors, j'espère que la peinture que je vais mettre à la bombe ne va pas passer dessous. Ça serait l'échec. Alors, je vais vite la mettre avant que mon scotch se décolle. Sinon, bah, on avisera quelque chose d'autre. Alors, je voudrais du blanc. Allez, petit coup de bombe. Allez, c'est là que maintenant, c'est joli ou on pleure. Allez, ça a l'air d'aller pas trop mal. Voilà. Je vais reprendre un peu mon liquide bien blanc, là. Je l'ai pas fait jusqu'à maintenant, mais... J'avoue que j'avais envie. Ça me fout la tremblote. Parti en biais. Ouais. Je pars en biais, oh. Bon, ce qu'on va faire de toute façon. Mais en fait, j'ai compris, c'est mon couteau qui est tout tordu. Il n'est pas du tout bien droit. Et ça pose problème en fait. Donc je vais... Là, celui-là, il faut que je le change. J'avais vu qu'il était un peu abîmé. Là, j'ai bien vu. Allez, quelques petites éclaboussures. On va faire par là, vu que j'aime pas trop le cadre. Puis on va faire un diagonale. Des grandes éclaboussures qui traversent. Voilà. Et là, je pense que c'est pas mal. Peut-être une autre comme ça. Allez. Et une deuxième. Et puis une troisième. Et puis plein. On va essayer juste de le faire apparaître un petit peu. Ah, j'étais généreux, hein. Du coup, j'ai plus qu'à faire pareil là. On va y faire des petits traits pour finir. Et voilà. Pas, peut-être qu'il est... Ah oui, j'ai le scotch pour la vidéo. Hop, est-ce qu'il y a un côté qui est mieux, je sais pas. Non, là pour moi, il descend, il est à l'envers. Comme ça, il est pas mal, je trouve. Mais je crois quand même que j'ai une préférence... Embêtant, j'ai toujours une préférence pour dans le sens où je l'ai fait. Bon, c'est peut-être logique, mais... Pour moi, ça sera ce sens, après. Voilà, petit zoom. Des petites stries avec mon outil magique. Sharper. Des traits au couteau. Voilà, donc là, trois couleurs, quatre couleurs. Un petit tableau. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Pensez bien à liker.